Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK243, Mbotenabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Alors aujourd'hui, nous avons trois points que nous allons tenter de développer pour vous. Le premier point, c'est les propos malencontreux du pasteur Dalo qui a traité le chef de l'État de Mutuana. Ça a créé beaucoup de polémiques auprès des soutiens du chef de l'État. Et en tout cas, ils se sont dit pourquoi Monsieur Dalo, le pasteur Dalo, peut tenir de tels propos pendant que le pasteur Dalo fait partie des bénéficiaires du pouvoir ou du régime du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Ça sera l'occasion pour nous de développer ce sujet-là et de vous donner certaines informations peut-être que vous n'avez pas. En deuxième point, nous allons commenter l'actualité sur le divorce Félix Antoine Tshisekedi et Vital Kamerhe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont dites, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, notamment avec la proposition que le chef de l'État a faite de pouvoir changer la constitution. Vous savez que cette constitution que nous avons aujourd'hui est issue d'une constitution, d'un arrangement entre des belligérants. Et aujourd'hui, cette constitution fait polémique parce que elle pourrait accorder des terres à nos pays voisins en cas de problème. Alors, vous devez savoir que cette constitution a quelques lacunes et quelques faiblesses qu'il faudrait peut-être réviser. Je vais vous en donner deux ou trois exemples. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, il y a dans cette constitution des privilèges qui sont accordés aux anciens présidents de l'Assemblée nationale, aux anciens premiers ministres, aux anciens présidents. Et c'est tout ça qui aujourd'hui est en train d'alourdir, par exemple, quand on parle des dépenses à la présidence. Vous devez savoir que nous avons plus de 8 anciens présidents d'Assemblée nationale qui reçoivent plus de 160 000 dollars à l'heure où je vous parle chaque mois. Nous avons un ancien président de la République, le sénateur à vie, qui reçoit plus de 650 000 dollars chaque mois. Nous avons des anciens ministres qui reçoivent un salaire de plus de 200 000 dollars chaque mois. Et tout ça, quand vous regardez en tout cas, c'est un coût astronomique qui ne permet pas que nous puissions répondre efficacement aux besoins de la population. Et tout ça par rapport à tout ce que nous vous avons déjà dit avec la cession de nos terres aux pays voisins en cas de problème ou de guerre, de litige. Et tout ça en tout cas est en train d'handicaper, est en train de fragiliser notre nation, est en train de fragiliser notre constitution. Et c'est ainsi que nous avons vu qu'il fallait que nous puissions revoir cette constitution. Alors, je m'excuse parce que vous allez voir, je transpire durant cette émission. Nous ne pouvons pas mettre l'air conditionné parce que ça risquerait de faire du bruit et tout ça va rentrer dans l'émission. Donc, veuillez souffrir qu'aujourd'hui, vous allez me voir dans l'état où vous allez me voir, mais tout ça, nous le faisons de toute façon pour le pays. Et donc, ici, divorce entre Vital Kamerhe et les chefs de l'État. Nous allons vous dire qu'est-ce qu'il en est, si c'est vrai, et qu'est-ce qui est en train de se passer exactement, parce que vous devez savoir qu'il y a une motion contre le ministre Guizarro. Vous devez savoir une chose, nous avons fait une émission que nous allons repasser ici, cette émission, montrer la mafia qui est en train de se dérouler et surtout, je dirais plus et au-delà de la mafia, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de saboter les efforts du chef de l'État. Aujourd'hui, il y a des entreprises à qui on donne des missions de travailler des routes et ils sont plutôt en train de détruire des routes. Donc, ils trouvent des routes qui sont asphaltées et qui ont peut-être un ou deux trous. Ils vont venir, ils vont complètement tout détruire et puis après, ils vont abandonner les routes telles quelles. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir beaucoup d'embouteillages dans la ville de Kinshasa parce qu'il devait y avoir des routes secondaires. Au lieu de créer des routes secondaires, on est plutôt en train d'abîmer les routes secondaires. Et tout ça, aujourd'hui, nous pouvons le dire, c'est qu'on dirait qu'il y a derrière un plan de sabotage contre les efforts du chef de l'État. Et malheureusement, nous sommes en train de voir que ceux qui sont à la manœuvre aujourd'hui pour maintenir des inciviques qui font un tel boulot de sabotage, c'est souvent les personnes qui sont à côté du chef de l'État. Souvent, c'est certaines personnes qui aujourd'hui sont en train de se prévaloir comme étant les représentants du parti présidentiel et nous devons en tout cas les dénoncer. Alors,
Voilà, chers compatriotes, avant de commencer notre émission, comme je vous le dis chaque fois, nous allons vous mettre la vidéo qui indique qu'est-ce que vous devez faire pour nous soutenir. Mais n'hésitez pas, vous devez en tout cas mettre beaucoup de j'aime sur l'émission. Et n'hésitez pas de le partager. Alors, à votre la bino vidéo, où il faut indiquer bino comment que ça la bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique. Il n'est pas trop tard, je vous invite à appuyer sur le bouton « Abonner ». Appuyez également sur le bouton « Notification ». Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc, je répète, nous avons trois actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, premier sujet Nabisso, discours, il y a Roland Dallo, Oyo et créé polémique et belé. Et peut-être avant que nous puissions commenter, nous allons vous mettre cet extrait parce que beaucoup Nabino peut-être Bolanda qui a voté ou ça vous a échappé. Nous allons vous mettre et nous allons commenter les propos du pasteur Roland Dallo. Alors tout est libino na nouba image Bolanda. Facturation. Mboka oyo ba matisaka facture. Telle route on doit faire à 1 million à Tabayi Baka 7 millions. C'est là où les seigneurs vont gagner 1 million. Il y a même si on volait, on baptisait comme 7 millions. Un jour je parle avec un politique. Mon collègue on en est concerné. Il est en responsabilité. Il me parlait d'un frère en Christ que j'ai connu. Je ne sais pas si le pasteur Ken se souvient de ces jours-là. Il dit plusieurs sont chrétiens jusqu'à devant l'argent. Il relate les gens de relation qu'ils avaient, comment ils faisaient certaines choses attachées à sa famille. Telle route à réfectionner, le vrai prix c'est 5 millions. Les chrétiens nés de nouveau parler en langue, il vient présenter 25 millions. C'est là où il y a 5 millions. Il y a 25 millions, même si on devait voler. Je lève mes mains, sans mélanga s'occuper d'Abino. Que mon Dieu s'occupe de vous. Amen. On n'arrive pas à construire des routes à cause de vous. Les enfants n'ont pas de couverts dans des hôpitaux à cause de vous. Que Dieu, mon Dieu, s'occupe de vous, de vos femmes, de vos bureaux et de vos tiroirs. Je fais une prière. Que vos maisons acquises par le vol puissent écouler. Que les érosions surgissent, même là où il n'y en avait pas. Mon épouse est là et d'autres peuvent témoigner. Je ne mange pas à cause de cette personne-là. Ça fait 6 ans que je le côtoie. Je ne lui ai jamais demandé l'argent. Et je ne le demanderai jamais. Ce n'est pas l'évangile que Jacques-André Vernon m'a appris. Jamais. Je suis en Europe, quelqu'un me dit, Dalo, il semble que Yonolia Kadim Yakoltan à Cobalt. On dit que c'est toi qui manges la dîme du coltan et du cobalt. C'est lui à qui vous pensez, j'ai jamais vu sa dîme. Jamais. J'ai jamais vu ça. J'ai appris auprès de Jacques-André Vernon. La dîme, on la dépose dans les paniers de l'église. Je suis jamais allé et je n'irai jamais à la maison chercher cela. Mais en même temps, j'ai dit, quand on a des rapports particuliers avec l'argent, Dieu s'est donné par des bonnes voies. Amen. Voilà, chers compatriotes. Alors, vous devez savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons rien contre le discours du pasteur Roland Dallo. Et je crois que même j'ai apprécié ce discours. J'ai apprécié ce discours parce qu'aujourd'hui, effectivement, nous devions être un exemple. Nous devions être source d'espoir pour le peuple d'abord. Et malheureusement, nous avons plusieurs inciviques au sommet de l'État qui sont en train de briller par leur... un civisme qui aujourd'hui ne connaissent pas
le combat de Papa Étienne Tshisekedi ou qui sont en train de bafouer ou en train de saboter ce combat de plus de 37 ans pour le peuple d'abord, pour que le peuple puisse vivre une vie meilleure. Aujourd'hui, tout cela est en train d'être ruiné, tout ça est en train de tomber à l'eau à cause de quelques personnes. Et donc, nous devons vraiment dénoncer cela. Et donc là, par rapport à ce discours, je crois que je peux soutenir les propos du pasteur Roland Dallot. Mais là où nous n'apprécions pas le discours du pasteur Roland Dallot, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, le pasteur Roland Dallot, Azoloba Mutuana, c'est une façon, on peut dire, de diminuer ou de dénigrer le chef de l'État, alors que lui, il est le père spirituel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Mais ce qui a offusqué aujourd'hui les soutiens du chef de l'État, c'est du fait que le pasteur Roland Dallot est la personne qui est la plus bénéficiaire du régime du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, le cabinet de la première dame est constitué des membres de Philadelphie. Vous devez savoir que la fondation de la première dame est constituée des membres de l'église Philadelphie. Vous devez savoir que le cabinet du chef de l'État est aujourd'hui dirigé par le pasteur qui est membre de Philadelphie. Donc aujourd'hui, on peut dire que le régime se concentre autour du pasteur Roland Dallot. Et vous devez encore savoir autre chose, c'est que si le pasteur Roland Dallot doit être conséquent avec lui-même, il devrait plutôt demander à ses membres qui sont dans tous les cercles, dans tous les échelons du pouvoir, de démissionner. Et là, le pasteur Roland Dallot serait conséquent avec lui-même. Parce que dire qu'il y a des voleurs, il y a ceci, il y a cela, que ça ne va pas. Mais vous savez que la plupart des gens qui sont au sommet, qui sont dans le fonctionnement, sont bandi minabino, mais vous les laissez, et une façon qui peut en tout cas, qui est dénigrante, parce que parler de carré minier, c'est une façon de dire qu'en fait le chef de l'État est trempé dans des dossiers de carré minier et que vous, en fait, vous êtes blanc dans ces dossiers-là. Donc c'est quelque chose qu'aujourd'hui, nous pensons que nous devons, en tout cas, le souligner, parce qu'il y a beaucoup de frustration. Vous savez, nous nous sommes tus pendant plus de 5 ans, mais aujourd'hui, je crois que nous pouvons le dire, pendant plus de 5 ans, nous nous sommes tus. Nous n'avons rien eu. Mais nous sommes toujours en train de soutenir la vision du chef de l'État. Mais nous voyons que ceux qui ont beaucoup eu, ceux qui ont tout eu, aujourd'hui se comportent en enfant gâté. Je peux le dire, je peux donner des exemples. Souvent, Nazana Bandeko, Batine Ranga, ba message, parce que moi, on a sali émission, Nake, Nalandi, chef de l'État, place à voyageaki, Nake, Nameki, Kosala Moussala, on a lingara Kosala, c'est-à-dire être là pour soutenir le chef de l'État. Dans sa vision, dans son programme de développer le pays, j'essaye toujours de faire de mon mieux. Mais les gens, quand vous voyez ces images, Jeannot est proche du chef de l'État, Jeannot Amonara chef de l'État. En tout cas, mes compatriotes, je vais vous faire déchanter. Tozalaka lissousou proche ya chef de l'État. En tout cas, la dernière fois, Ongaï na vandana chef de l'État ou Tomeka Kosolana chef de l'État pendant 5 minutes, c'était en 2020. Et après ça, que vandana chef de l'État est difficile. Souvent, Eko mara même ma place au Tokendaka. Pour arriver là, il nous arrive d'avoir des humiliations. Souvent, bako beta biso, souvent, comme on a petit jeune, moro akoya, yo, longwa kuna, allez, komitia place wanate, wana, allez, yo, kende boe, sala boe. Mais, comme nous ne voulons pas faire polémique, comme nous ne voulons pas leur donner des raisons, polo biba kende koloba, que non, bomoni jano aza boe, jano aza laka sans chaud, jano a bundaki, bomona souvent il peut arriver, ba beti biso mbata, bon, on a vraiment tout tikali karaboé, tout se soumettre, tout dimi mbata. Mais tant que tu as la paix, tu as bêti mbata, moi du haut de mes 45 ans, au moins là c'est un petit jeune de peut-être 20 ans, mais on dimi mbata wana parce que tu ne veux pas être dans la polémique, parce que tu ne veux pas que demain on puisse dire que Kombonayo et Bima dans des histoires de scandale, Kobundaki, Toboé, Toboé. Et donc, Toza est belé, Toza batu est belé, Oyo biso Tozo a rien, mais qui nous contentons du peu que nous avons
Et c'est comme ça que vous voyez, beaucoup de combattants aujourd'hui sont frustrés et ne peuvent pas accepter de tels propos. Alors ici, s'il y a quelque chose que je dois encore dire, nous devons quitter l'évangile du matolo. Si ce n'est pas l'évangile du matolo, nous devons quitter l'évangile de la prospérité. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, Jésus-Christ ne prêchait pas le royaume de la prospérité, mais il était venu prêcher les âmes pour qu'ils puissent gagner le royaume des cieux. C'était pour prêcher, pour gagner des âmes pour le royaume des cieux. Et donc, nous voyons que beaucoup de nos pasteurs sont dans tout ce qui est matériel. Et je pense que nous devons nous battre pour quitter le matériel. Nous devons aujourd'hui être là pour soutenir le chef de l'État, pour accompagner le chef de l'État, qu'on ait quelque chose ou pas. Parce que Mingi Bazoa est l'autre côté, mais continue à soutenir le chef de l'État avec les efforts qu'ils peuvent, avec ce qu'ils peuvent faire, avec leur intelligence, avec ce qu'ils peuvent apporter. En tout cas, ils le font. Donc voilà, en tout cas, message Oyo Nakoka qui coupe ça concernant dossier Oyo et Tali, pasteur Roland Dalo. Tout ça, peine à pasteur Morokuto Aloba qui que. Il faut qu'Okima, pasteur Oyo, qui sont dans tout ce qui est matérialiste, tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier, il faut qu'Okima Yango, ce n'est pas ça l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, chers compatriotes. Alors ici, Toleki, na deuxième point, on est en train d'entendre, beaucoup de gens commencent à parler déjà du divorce entre Vital Kamerhe et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, du fait que M. Vital Kamerhe, jusqu'ici, ne soutient pas, en tout cas, les propos du chef de l'État pour la révision de la Constitution et ne se prononce pas. Et donc, beaucoup sont en train de dire aujourd'hui et sont en train de suspecter M. Vital Kamerhe de jouer les doubles jeux ou d'attendre le bon moment pour quitter le navire de l'Union sacrée. Alors, est-ce vrai? Est-ce faux? Ici, Tokoloba, nous étions au Katanga et nous avons vu que parmi les drapeaux que nous avons vus qui sont venus soutenir, accueillir le chef de l'État, nous avons pu constater quelques drapeaux de l'UDPS, de M. Bahati, quelques drapeaux de certains partis, dont de ceux de M. Kiaboula, de M. Dani Banza, mais en tout cas, les drapeaux de l'UNC étaient absents. Il n'y a eu aucune mobilisation. Il y a Bandeko, il y a UNC. Ici, ça ne veut pas dire que M. Kamerhe ne va pas se prononcer. Ils ont d'ailleurs lancé un communiqué pour dire qu'ils vont se prononcer dans les jours à venir concernant le dossier du changement de la Constitution. Et l'Okoyo, Nakoki Koloba, concernant dossier Oyo et créer l'issue sous polémique, c'est que, vous devez savoir, il y a une motion de censure contre M. Guizao. Alors, d'abord, avant que nous puissions parler des autres dossiers où est allé M. Guizao, il faut savoir une chose, c'est que M. Guizao est ministre des ITPR, donc des infrastructures depuis déjà 2000,
2021 jusqu'à nos jours et le bilan est totalement catastrophique, Bandeko. Alors je ne comprends pas qu'il y ait des personnes aujourd'hui qui soutiennent des gens comme M. Guizarro. Nous n'avons rien en tant qu'individu contre M. Guizarro, mais la personne de M. Guizarro devait accompagner la vision du chef de l'État avec des routes. Et ici, malheureusement, nous avons des dossiers de surfacturation sur certaines constructions des routes. Nous avons les dossiers de Kinshasa Zéro Trou, qui n'a pas, en tout cas, été convaincant aux yeux de la population. Et au-delà de cela, nous avons dénoncé, il y a plus de deux semaines, un autre dossier, celui-là, certaines entreprises qui ont eu des marchés dans la ville de Kinshasa pour faire des routes par-ci et là sur certains tronçons et qui malheureusement ont trouvé des routes souvent qui étaient peut-être abîmées et qui sont venues, qui ont encore plus détruit ces routes, qui ont mis de la caillasse et souvent qui sont partis sans mettre le goudron. Et donc souvent, la plupart de ces routes sont même bloquées, ils ont mis des cailloux et ont abandonné ces routes comme ça. Et tout ça sous la supervision, sous l'autorité de M. Guizarro, qui ne fait rien, qui est sourd et muet face à de tels comportements que nous avons dénoncés et que la population ne cesse de dénoncer déjà depuis plusieurs années. Et nous sommes en train de voir la situation est toujours la même, la situation est toujours catastrophique. Alors la question qu'on se pose, on va continuer à soutenir cela jusque quand? Et ce qui est encore plus grave, c'est que vous allez voir Monsieur Augustin Kabuya, qui est décrié dans le parti UDPS, qui tant bien que mal et tente de s'accrocher à ce poste malgré qu'il est aujourd'hui vomi par plus de la moitié des combattants et des cadres et membres de l'UDPS. Vous voyez qu'il s'accroche et vous allez voir, c'est la même personne qui va venir pour soutenir le ministre Guizarro, là où il devait jouer le rôle plutôt de venir dénoncer et peut-être dénoncer même l'incapacité managériale de M. Guizarro, c'est le même qui va venir, qui va tenir des réunions avec certains députés pour dire nous ne pouvons pas fragiliser le chef de l'État, nous devons accompagner le chef de l'État et pour cela nous ne devons pas faire tomber un des nôtres, le ministre Guizarro. Pendant que le ministre Guizarro ne fait rien pour soutenir la vision du chef de l'État, pendant qu'aujourd'hui M. Guizarro est plutôt parmi les éléments qui sont en train de mener le chef de l'État en échec, nous allons voir des gens comme M. Kabuya venir le soutenir et dire que quand ils font ça, ils soutiennent la vision du chef de l'État. Permettez-moi de vous dire que ces gens-là ne sont pas dans la vision du chef de l'État. Ces gens-là sont en train plutôt de saboter la vision du chef de l'État. Et donc ici, moi, je soutiens qu'on puisse enlever M. Guizarro du gouvernement. Trop, c'est trop. Nous ne pouvons plus continuer aujourd'hui à nous taire et à continuer à soutenir des gens qui font n'importe quoi et qui sont en train de faire souffrir la population. Aujourd'hui, la ville, c'est totalement l'embouteillage. Des gens nous viennent avec des formules surréalistes qui n'aident pas la circulation routière. Et même quand on leur alerte, même quand on leur dit que les formules que vous apportez, que les solutions que vous tentez d'apporter sont en train plutôt d'accentuer les embouteillages, sont plutôt maintenant en train de créer le chaos. Plutôt que de revenir en arrière, plutôt que de chercher une solution, nous sommes en train de voir des gens qui sont en train de continuer à s'entêter dans les projets qu'ils ont mis en place. Et tout ça, aujourd'hui, est en train de révolter la population. Tout cela est en train de monter la population. On a beau dénoncer tout ça, on a beau dire ce qu'on a à dire, mais nous voyons que la situation reste la même. Alors ici, nous allons vous mettre la réaction de M. Vital Kamerhe par rapport au dossier de M. Guizarro qui dit qu'il n'a rien à voir et que c'est plusieurs partis politiques qui demandent la déchéance de M. Guizarro. Alors ici, Dorothée Labino Malobanae, et nous allons également vous mettre la vidéo, Bokota Labino Moko, c'est que aujourd'hui les gens qui sont en train de soutenir et qui vont soutenir demain que M. Guizarro soit maintenu, c'est toujours les membres du parti UDPS. Alors aujourd'hui, nous devons nous regarder en face et savoir qui sont les ennemis du parti, qui sont les ennemis de l'UDPS. Bolanda. J'aimerais d'abord sincèrement m'excuser. M'excuser pourquoi? Parce que les gens qui sont venus me donner l'information, ils m'ont dit qu'il ne s'agissait que de l'UDPS pour la motion de censure. Il y a l'UDPS et il y a beaucoup de partis. Pour que les députés soient informés, je ne vais pas citer le nom,
Mais je vais vous donner les partis qui ont signé. Je dois le faire parce que les gens risquent de partir avec l'idée que c'est l'IDPS. Non. Alors, les regroupements, si après on signait cette motion de défiance, AAC, 9 sur 58. IDPS Tshisekedi, 9 sur 58. AAUNC, donc mon regroupement, 5 sur 58. AACPG, 6 sur 58. MLC, 4 sur 58. AB, 3 sur 58. ACPA, 3 sur 58. AFDCA, 2 sur 58. AABG, 2 sur 58. AAP, 2 sur 58. Non inscrit, 2 sur 58. AB 50, 1 sur 58. AAC, AAEC, je ne sais pas, 1 sur 58. AE, 1 sur 58. A24, 1 sur 58. A1, 1 sur 58. A2R, 1 sur 58. Ensemble, 1 sur 58. 3A3A, 1 sur 58. Code, 1 sur 58. AADC bar A, 1 sur 58. AAC Palou, 1 sur 58. Et donc, nous avons 58 signatures. Et je voudrais donc m'excuser. Mais ici, je ne voudrais pas, et alors je ne voudrais pas entendre tous ces gens qui sont dans des petits laboratoires venir dire non, non, c'est l'œuvre des Camerounais. Puisque c'est ce qu'ils avaient. Ils ont commencé par là pour passer à l'œuvre. Cette fois-ci, ils doivent s'assumer et c'est leur droit et je les reconnais. Donc, la plénière est annoncée pour le lundi conformément aux prescrits de la Constitution et du règlement intérieur. Au ministre de se préparer et aux députés de voter. Et nous allons proclamer le vote. Et la Constitution est claire. Si le vote fait tomber le ministre, on écrit à la première ministre pour constater la déchéance de son ministre. Et je voudrais donc m'excuser, mais en même temps fustiger quand même un comportement que nous avons déjà rappelé ici. Je suis peiné de constater que, après que l'honorable Asselo, que j'apprécie beaucoup, après qu'il ait eu deux fois la parole ici, il se retire avec ses amis pour faire une conférence de presse dehors. C'est pour résoudre quel problème. Que je voudrais que dans l'avenir, vous sachiez que moi je suis un homme de sincérité et de vérité. Quand je me trompe, je n'hésite pas à dire que je me suis trompé ou on m'a menti. Qui vous a dit que nous, UDPS, nous étions réunis quelque part et nous avons initié une motion de censure contre le gouvernement de la République. Et même si, monsieur le honorable président, même si la question pouvait en être ainsi, est-ce que c'est de cette manière-là que vous pouviez exposer notre parti, toute la nation en train de nous suivre, tout le monde en train de nous suivre, monsieur le président, et c'est vous qui exposez. Vous qui exposez l'UDPS, merci. Merci. Que c'est l'UDPS qui dépose une motion de censure contre son gouvernement. Merci, merci beaucoup. Monsieur le Président, ça vraiment c'est l'expression de notre mécontentement. Nous vous prions de considérer désormais l'UDPS comme votre véritable partenaire politique. Nous ne comprenons plus rien, Monsieur le Président. Nous ne comprenons plus rien. Vous voyez l'attitude? Nous ne comprenons plus rien, monsieur le président, et nous pensons que ça doit s'arrêter. Si nous sommes tous de l'Union sacrée, si nous sommes tous derrière Tshisekedi, monsieur le honorable président, nous méritons de votre part un autre regard que tout ce que vous êtes en train de nous offrir jusqu'à ce jour. Voilà, chers compatriotes, ici, nous allons terminer notre émission avec le reportage que nous avons fait dernièrement, que nous vous avons dit, dans lequel nous avons dénoncé l'état dans lequel les routes étaient abandonnées, dans lequel certaines entreprises abandonnaient ces routes-là. Je crois qu'il est temps
que nos services de sécurité, l'ANER, la DEMIAP, fassent leur travail, ainsi que la justice. Même si notre justice est malade, je crois que ces entreprises doivent être convoquées. Toutes ces entreprises qui ont eu des marchés, qui ont touché l'argent de l'État, sont en train de se pavaner. Une fois qu'ils touchent cet argent, ils sont en train de construire des immeubles dans ce pays, ils sont en train de construire des hôtels dans ce pays, que plutôt de construire ce pourquoi ils ont été payés. Et nous devons aujourd'hui les dénoncer. Même si aujourd'hui, notre vie est en danger, mais nous devons nous battre pour un avenir meilleur pour le peuple congolais. Voilà. Papa, ils ont nini. C'est là où ils ont nini. Nini les kaki. Bayaki ko sa nini. Ah wa bayaki. Il paraît besoin de marcher et pas au gouvernement. Bah pèse bango marcher. On a nzé là oui. On a nzé là. Bah bani ko timo. Bah timo li banda kuna ti. Ah wa. Bonjour mon ami, on se retrouve au filmé. Bakaya César. Bacheka ba mwelo na se. Bache bakaya. Et pourtant, c'est là, il y a bien ça. Là, qui Baïeba, Balongoli, Prince, Balongoli, Sikoyo, Béton, Lélo, Bakenda, Marché, Kamama, il paraît, Bapesa, Baron. Une fois que Bazu Mong, Bazuan Mong, Bassali, Nabébio, Bapesa, Baron Mong. Tant Bassani, Geba, Baksa Mong, allez. Chers compatriotes, dans les images que vous allez voir, j'ai été filmé plusieurs endroits qui était fréquentable, qui était praticable par les voitures. Et aujourd'hui, ces endroits ont été abandonnés par des sociétés qui ont eu des marchés. Et on ne sait pas pour quelles raisons ils ont trouvé des routes fréquentables, praticables. Ils ont détruit ces routes et puis ils ont abandonné ces routes sans avoir posé le goudron, sans avoir posé le béton, et ont abandonné les routes comme ça. C'est devenu des flaques d'eau dans lesquelles on ne peut plus pratiquer, qu'on ne peut plus fréquenter. Et c'est fait dans plusieurs coins de Kinshasa. Ce que je suis en train de dire, les compatriotes peuvent filmer, c'est fait sciemment dans chaque coin de Kinshasa. Je crois qu'il est temps que nous puissions changer les choses. Je crois qu'il est temps que ceux qui ont pour mission de stopper ces brigands puissent faire leur travail. On sait que la justice est malade, mais il est temps que les choses puissent changer. C'est pas normal qu'il y a des routes qui étaient fréquentables, certes abîmées, on vient, on les détruit par certaines sociétés qui ont eu des marchés, et au final, ils abandonnent. Une fois que l'État donne l'argent, que l'argent arrive sur leur compte, ils abandonnent les travaux. Il faut que les choses puissent changer. Nous n'allons pas continuer comme ça à dénoncer, et aux yeux de tout le monde, pendant que nous sommes en train de voir notre pays, nous sommes en train de voir notre capitale qui est en train de détériorer. On est en train de voir nos routes qui sont en train d'être détruites, et il n'y a rien qui se fait. Et puis, il y a une accumulation, parce que chaque fois qu'il pleut, il y a une aggravation de la situation de la route. Il est temps que nous puissions avoir l'esprit patriotique pour faire avancer les choses, pour que nous puissions redresser ce pays. Quand nous avançons, nous allons dans d'autres pays, quand nous allons en Côte d'Ivoire, n'allons pas loin, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, on va en Zambie. Pourquoi ces gens-là sont consciencieux? Pourquoi ces gens-là sont patriotes? Et pourquoi dans notre pays, nous avons que des personnes qui n'ont pas l'amour du pays au Bazanamité Mamabe? Parce que au final, une fois qu'ils ont détruit la route, il y a la pluie qui fait le reste, mettent la caillasse et puis après il n'y a rien qui se fait. Il est temps que nous puissions changer les choses. Il est temps que le ministre des Infrastructures fasse ce qui est son travail pour arrêter cette hémorragie et pour qu'il puisse venir en aide au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons besoin de réparer le Congo. Nous avons besoin que le Congo puisse avancer. Et pour que le Congo puisse avancer, il faut que ces personnes se mettent en tête que ce n'est pas en faisant le travail qu'ils font de sabotage qu'ils aident le chef de l'État ou qu'ils aident le pays. Surtout ceux qui ont reçu cette mission d'accompagner le chef de l'État. Ces personnes qui ont eu cette charge,
qui ont eu cette excellence de devenir des excellences, des ministres, et qui doivent faire leur travail. Le chef de l'État, nous ne pouvons pas chaque fois nous dénoncer, et le chef de l'État qui a mieux à faire, qui a une guerre, qui est en train, une guerre d'agression dans laquelle il se donne corps et âme, nous ne pouvons pas chaque fois attendre que le chef de l'État puisse descendre sur le terrain pour des petites choses qui peuvent être faites par des ministres. S'il vous plaît, messieurs les ministres, faites votre travail. Il est temps de faire votre travail d'accompagner le chef de l'État dans sa mission qui est de relever le pays, qui est de développer le pays. Arrêtez le sabotage que vous êtes en train de faire. Nous avons l'impression que vous êtes en train de travailler contre le chef de l'État, contre la mission qui est celle du chef de l'État de pouvoir développer la RDC. Il est temps que les choses puissent changer, s'il vous plaît. Papa, c'est quoi? C'est là où il y a un marché. Babani kotimola batimoli banda kuna ti awa bozomo na nyoso a to filmé kayas eza cheka ba mwelo na se ba che ba kayas nani tracteur et pourtant cela ya bien ça là qui nzela za la ki bien ba yeba balongoli prince balongoli sikoyo ça la béton na lelo bakenda marché kanga mais il paraît ba pesa ba mongo une fois que bazui mongo bazwa mongo ba sali na dejo ba pesa la ba mongo tamo ba sengi ke ba ba sa mongo ay ba ba ki gouvernement ba ki cité Bango pe, donc, oh, il y a sabotage. Donc, oh, yo tozo monakuna, mabele wana. Donc, Kinshasa mobimba ekomi kaka bazui mbongo ba ye ba buki nzela après ba sengi mbongo baba kisa soki baba kisite batiki banza donc biso moko na ba société na biso tozo sala ba contrôle te tozo tozo landela makambo wana te tozo tika tozo bebisa mboka après tozo lela et bino beaucoup miko kozo ba problème ba problème ya ba mayi wana ya ngozo mona ke il faut soki ba pesi ba to marché balande la ngopo ba si sa musala o ba pesi la ba ngombo voilà en tout cas bandeko o to kokaka ki koloba lelo pona émission à lelo concernant mbonga na biso. Encore une fois je m'excuse d'avoir transpiré, il fait extrêmement chaud. Vous savez, c'est le changement climatique et en même temps, je ne pouvais pas, pour une bonne émission, mettre l'air conditionné. Donc, nous avons beaucoup transpiré et veuillez en tout cas nous en excuser. Mais merci. Encore une fois, n'hésitez pas de partager nos émissions et surtout mettez un j'aime, ça va permettre de référencer nos émissions. Nous avons promis de revenir, nous sommes de retour. Merci Nabinono, surtout Oyebolanda Gibiso. En tout cas, que notre gouvernement fasse l'effort d'accompagner la vision du chef de l'État, sinon nous serons obligés de remettre le costume de journaliste combattant pour dénoncer le mal et pour que les choses puissent aller de l'avant. Merci Nabinono, surtout Oyebolanda Gibiso. À très bientôt. Musala kitoko, Kongo mobima musale zo salama.
le matili souswe. Me plazwa li tambo fati a kiti na terre. Azope sa solution a tout problème. Budget a Congo et matili souswe.